Yo tout le monde, vous allez bien? Oh mon fils, j'étais mon beau. Les go, larkins, go, go, go. Ouais. Les gars, on va manger. On va manger la... Attends, on dit en même temps. Aujourd'hui, on va manger la meilleure poutine de notre ville. Voilà. Ok, donc d'où tu sors que c'est la meilleure poutine de notre ville? J'ai vu ça sur TikTok. Ouais, on a vu des TikTok. Moi personnellement, j'ai vu des TikTok, j'ai vu des articles et j'ai vu des vidéos YouTube. D'abord, quand on a dit que c'était la meilleure de la ville, j'y croyais pas, tu vois. Mais quand je voyais des gros créateurs d'ici venir ici et dire aujourd'hui, je mange la meilleure poutine de la ville et montrer ici, c'est comme hein? On habite à côté, what the fuck? C'est vraiment la meilleure, c'est vraiment la meilleure. Donc là maintenant, ça quoi, donc là on va... Tu peux aller parce qu'il a fil, la file est en train de truc. Vous allez venir avec moi, mais je vais rester dans la voiture, tu vois. Il va rester seul dans la voiture là. Mais bon, il ne veut pas perdre de temps et rentrer à l'intérieur. Donc là, j'arrive. Voilà la fameuse poutine là. Elle est juste ici. La file elle est quand même longue, hein. Bon, bonjour, je prends pas une poutine. Mais c'est ou quoi? Quand c'est de la viande à l'intérieur ou non? Poutine au poulet, c'est combien? Poutine au poulet. Regarde. Ok, ok, j'ai vu. Ok, j'ai vu 26 dollars là, j'ai pu. Ok. Ok, ouais, je vais prendre ça. Salut, Sheikha. Les gars, là, on sort. On va déguster ça. Tout de suite. La meilleure poutine de la ville. Oh, c'est ta fourchette. Fuck, 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 fuck. Ok, c'est bon. Oh my god, j'ai le seum. Les gars, je suis rentré. Et j'ai fait tomber ça directement à terre. Ok, je l'ai, je l'ai. Là, je disais que ça. Donc, t'allais vraiment me laisser manger avec ça. Ouais. Pour de vrai. Ouais. T'allais pas aller en chercher une pour moi? Non, jamais de la vie. Heureusement que j'en ai pris trois. Et dis la raison pourquoi on en a juste pris une, bijou. C'est moi qui vais cuisiner. Ouais, les gars, avant qu'on sorte de la maison, maman a dit ah, je vais faire du riz avec de la viande de mouton, vous voulez? On pouvait pas dire non, tu vois. Donc là, on a dit ok, bijou, finalement, là, on va juste prendre une poutine et on va les manger ensemble, quoi, tu vois. Donc, on va se dépêcher. Ouais, ah, et j'ai pris une poutine au poulet. Oh. J'ai pas voulu en prendre une basique, tu vois. Ça ajoute quelque chose de piquant, non, tu vois, comme on va goûter aussi sur le poulet est bon, si c'est le meilleur poulet de la ville. Ouais. Les gars, on va vous montrer l'intérieur, regardez ça. En plus, c'est coulant. Dirait... C'est débordant. Ouais, c'est débordant, ça déborde. Bon. On dirait qu'ils abusent de la sauce de poutine, là. Regardez ça. Mets ça à côté de toi. Goûte la sauce, goûte la sauce. Il y a tellement de sauce. Bah, le juicy, bah, c'est nice. Ça goûte le fumé. À cause du poulet. Attends, vous goûtez un poulet. Okay, on y va, on va goûter le poulet. Oui, neige. Mmh. Ouais. Non, le poulet est bon. Les gars, j'ai trouvé un bon angle. Oh, on voit toute la voiture. Yo. Bienvenue dans la voiture de Junior. Bro. Oh, la Juni Mobile. Commence. Bienvenue dans la Juni Mobile. Commence. Non, les gars, on va commencer. Vous voyez bien la poutine, c'est bon. On y va. Attends, on va le prendre en même temps, ok? Prends poutine, poulet, sauce. Yo, je suis mis des papiers, bro. T'en as? Non. 3, 2, 1. Le fromage fait squeak, squeak. C'est ça, exactement ce que j'allais dire, les gars. Le fromage fait squeak, squeak. Bah, il est trop juicy, bro. Ouais. Après, le poulet, il est bon, bro. Je sais pas comment ils le font. Mmh. En plus, nice. Si on avait pris un chacun, on n'aurait même pas fini. Ouais, ça aurait été trop, et on n'aurait même pas fini. Même les frites, en vrai, c'est fait pour la poutine. C'est mou, pas trop croustillante. Mais c'est pour ça qu'ils abusent du fromage. Bon. C'est ça. Il y a plus de fromage que de frites. Le fromage, ouais. Et un peu de poulet. Ça, j'ai pas pris avec ta fourchette. Regarde tout le fromage, les gars. Il y a besoin du poulet. T'en as tellement pris. Non, il y en a ici. Oh. C'est à moi. T'as pris plus que moi. C'est très bien, chef. Mais ça a coûté combien? Je pense que poutine normale, c'était genre 11 et quelques. Et avec le poulet, ça a coûté 14. On n'est pas comme ça. Pour une grosse. Non. Le ouais. Rapport qualité-prix, nice. Ah, comment c'est gros pour 14 dollars. Sinon, c'est validé. Hein. À la fin de la vidéo, Bijou et moi, on va déterminer si c'est vraiment la meilleure poutine de la ville ou pas. Donc, restez jusqu'à la fin. Pense-y, ok? Mais comment on fait pour savoir si une poutine est meilleure qu'une autre wagam? Qu'est-ce qui fait qu'une poutine est la meilleure de la ville? C'est fou, ça. Genre, il y a différentes manières de faire une poutine. Et moi, vous vous rappelez qu'on avait fait la poutine là? Selon moi, c'est la meilleure de la ville. Bro. Non. Qu'on avait fait là? Elle est la meilleure. Donc, tu vois la sauce. C'est genre plus naturel. Ouais, genre.
les frites faites maison. Je commence déjà à être rempli, beau. Heureusement qu'on en a pas pris deux alors. C'est ça. Ouais. J'aurais dû être trop rempli. Ok, yo, mais tchio, arrête de tremper ça. Tremper quoi? J'essaie de prendre. Si c'est de la sauce, tu trempes comme ça. Tchio. T'es fini? Yo, c'est trop gros, beau. Mamadou, on n'est pas capable de finir. Ben, on est capable de finir, mais... Oubliez parce que je bois trop. Ah, c'est ça. Moi, c'est... Mais il est balèze quand même. Et le goût fumé du poulet rajoute quelque chose, genre. Il n'y en a plus, malheureusement. J'ai ouvert une sauteur. Comme ça aussi, c'est du fumé. Oh, le guerrier, là. Ah. Yo, relax! On reste. Bon, j'ai jamais mis des papiers, bon, c'est mon erreur. C'est sale ou pas? Non, pas moi. Donc, les gars, on a fini la poutine. Regardez. Bon, enlève ton fucking Fanta de l'intérieur, bro. On l'a fini. Hi. Bon, bref, on a fini, regardez ça. Et puis, on va donner notre avis après avoir mangé cette fameuse meilleure poutine de notre ville. D'abord, Bijou, toi, t'en penses quoi? Donc, elle est très, très, très bonne. Comme, elle est vraiment bonne. Mais dans mes souvenirs, il y a une poutine qui était meilleure. Comment déterminer qu'une poutine est meilleure qu'une autre? Quoi? Oh, le meilleur burger au monde. Comment déterminer que c'est la meilleure au monde? Je comprends pas. La qualité des aliments, le goût. Ok, quand tu vas me dire qu'il y a une poutine, il y a un goût original de poutine. Il y a un goût original. Genre, c'est ça que je demande comme question. Oh, la meilleure poutine. Comment tu sais que c'est la meilleure poutine? Je peux faire une poutine chez moi et je peux dire que c'est la meilleure. On peut aller manger. Ah, tu vois, c'est ça que je dis. Genre, comment? La meilleure poutine. Comme, les gars, écrivez dans les commentaires selon vous. Oh my god, j'ai mangé aujourd'hui les meilleures frites au monde. Okay, les meilleures. Okay, okay. Pour répondre à ton dilemme, on peut tester plusieurs poutines. Ok, c'est vrai qu'il y en a qui seront pires que d'autres. Mais comment déterminer la meilleure? Si on teste 10 poutines et ça, c'est la meilleure des 10, selon nous, c'est la meilleure. Ok, ouais, vu comme ça, ouais. Mais bref, en tout cas, je sais que la poutine est très, très, très bonne. Là, on peut pas se cacher. Mm. Le poulet était bon. Mm-hmm. La sauce était nice. Le fromage était squeak, squeak. Ouais, le fromage était vraiment. Comment dire? Pas élastique. Comment il s'appelle déjà? Squishy. Élastique, il goûtait l'élastique, pas, il goûtait pas l'élastique, mais genre il était caoutchouc. Comme... Caoutchouc, c'est vrai, voilà. Je cherchais, il était caoutchouc. Tu donnes combien sur 10? Sur 10, je donne un bon 9 sur 10, bro. Ouais, je donne un 9.2, 9.3. 9 sur 10, 9.2, ah ouais, ouais, ouais. Mais 10 sur 10, bro, je sais pas. Comme... 10 sur 10, c'est la perfection, ouais, ouais. Bro, je sais pas. Peut-être les frites, les frites auraient pu être meilleures. Ouais, elles étaient un peu, pas grillées, mais... Ouais, genre, c'était un peu, à certains moments, ils étaient un peu... Mais c'est ça le but, au fait, de la poutine. Que ce soit bien grillé et tout. Ça goûtait un peu. Ou bien c'est le poulet qui était grillé, pas la poutine. Ah oh ouais, sûrement. Je sais pas. Mais sinon, c'était bon. C'était vraiment bon. Meilleure poutine de la ville. Ça ne pourrait pas sortir de ma bouche, tu vois. Je ne sais pas. Mais ça peut être la meilleure de la ville. Bon, si on mange 10 autres poutines et on voit que c'est tous, elles sont tous dégueulasses, bon, les frites sont bizarres et tout, c'est celle-là qui est la meilleure, tu vois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Vraiment, envoyez la vidéo à vos amis, à votre famille, à votre cousin, cousine, soeur, oncle, tante, femme, meuf. Et tout. Ok. Et puis, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo. Hein. Peace.